seulement le une route qui vous construit. Mais là, il y a une catastrophe naturelle. Par exemple, un cyclone. On tremblement de terre. Nous voyons ça qui se passe. Cyclone Mathieu se passe. L'année, Zamino, tu viens de nous coûter. Mais si nous-mêmes, nous commençons à organiser tête, nous avons clair. Nous avons compris que l'armée professionnelle, l'armée d'Haïti, que nous avons rétabli là, l'armée, ça, l'a venu pour jouer rôle ça. Parce que l'armée, dans tout pays sur la terre, c'est permettre le pays à venir prendre plus confiance dans la tête. L'armée, c'est permettre jeunesse ça, travail pour l'émancipation, pour le développement du pays à travers un corps qui est discipline, un corps qui est hiérarchisé, un corps côté c'est discipline, c'est lui-même qui boussole. Et je dis à notre pays d'Haïti, jeunesse haïtienne, je crois que jeunesse là, il y a nécessité pour marcher au pas, je dis. Nous retournons, parce que moi connais si j'ai ça, monde là qui s'est devant la télévision, qui s'est devant petit poste radio pour dire bon, je dis à faut me prendre ensemble pour me donner le président pour me comprendre bien comment l'établissement la mère, comment la fait. Mais est-ce que me songe l'été recevoir plus passé 170 qui tournait. Il a commencé le travail dans un système qui est plus formel. Mais pas oublier, quand il est né, il est en plus passé 170 militaires. Quand il est né, il est plus passé 40 équipements lourds. Quel est en train déjà. Ça veut dire, l'état-major a fini formé. État-major intérimaire, son état-major qui prend le travail pour augmenter l'effectif là, mais militaire ça, qui vient en la rue, qui commence à travailler, qui eux-mêmes, c'est des militaires qui forment, j'en te dis, en Équateur, eux-mêmes, ils n'ont pas intégré le corps du génie parce que c'est des professionnels, ils déjà. Il n'y a pas besoin d'une phase d'âge pour piloter un bulldozer, pour piloter un équipement lourd. Parce que vous êtes connus déjà. Claire pour nous dire, même côté que ça veut dire l'établissement là, mais fait, et puis tout le monde qui te connaît que vous êtes dans la force armée d'Haïti, ça veut dire c'est aller chercher côté où vous avez un uniforme pour ni pas comme ça. C'est l'état-major qui va le gagner, lui-même, c'est Wall ça va le gagner. C'est vrai l'état-major. Pour qu'on y a, lui fait recrutement pour une nouvelle armée professionnelle qui crée. Nous avons pour ça clair dans la tête de chaque sem et femme qui a gardé. Ça veut dire, état-major, automatiquement, que nos films nommés. Commandant chef là, il prend le travail pour mettre l'état-major sous pied tout de suite. Et puis le ça, mission pour dépendre de sa arrêté. Mission pour dépendre de ça la loi dit, de sa constitution dit. Mais mission ne va pas dépendre de personne. Pas de personne qui est venu pour venir dire état-major ou bien général, mais à droite ou bien pour faire à gauche. C'est la loi qui va le suivre. Il va le suivre la constitution. Il va le suivre ça
La loi m'a dit pour le faire. Parce que, je dis, je dis, l'ordre besoin rétabli dans le pays. L'ordre besoin rétabli sous rétabli, il faut nous renforcer l'institution. Pour l'ordre rétabli, il faut nous chaque haïtien, nous chaque haïtienne, cap gardem, cap tandem là, nous connaît côté droit par un monde fini, cela par un autre commencer. C'est ça, l'état de droit. État de droit, ça, c'est les mêmes que nouvelle armée professionnelle, ça. Les mêmes, les pas courir dans le pays à tout. Parce que, nous disons, état de droit, c'est une la bagaille qui est plus important pour le développement de la société. Et c'est des états de droit que nous campons. Et c'est pour ça que nous avons renforcé l'institution dans le pays. C'est pour ça que nous prenons décision pour nous rétablir la médaille qui est une institution qui est le plus gros symbole que le pays a. Et l'ordre, maintenant des ordres. Nous avons pris décision pour nous tendre demain matin à travers tout le pays. Chaque monde comprend nous petit mot sur la main. Son seul commandement qui a bien. Pas bien de. Un seul. Au état-major, que le commandant chef là pour prendre responsabilité pour le former. Hein, et nous dit constitution informer le peuple sur qui genre fonctionnement l'armée a supposé faire par rapport au ministère de la Défense, par rapport à la primature, la résidence, pour le peuple a une information claire pour le connaître que l'armée ça, c'est pour l'armée qui est là, qui parle là pour le faire salver. D'ailleurs, dans la règle qui était faite après la Constitution 1987, il y a un général de brigade qui est là pour être responsable de l'inspection générale de l'armée. Ça le dit. C'est des notions nouvelles qui n'ont pas gagné avant la Constitution 1987. Là. C'est pour montrer nous que je dis à l'armée que nous prenons décision pour nous rétablir son armée qui là qui peut porter l'espoir pour la jeunesse haïtienne. C'est pour l'armée qui là, c'est pour l'armée qui peut rétablir, qui peut la poil des problèmes dans la société. C'est pour l'armée qui là, qui peut le travail pour aller à la société. Son l'armée qui là, qui pourra, au contraire, faire l'union, faire la force là, vivre en réalité. Son l'armée qui là, côté jeunesse haïtienne, jeunesse là qui a parti quitter le pays, jeunesse là qui a vivre, qui a eu espoir, qui a eu côté lui-même, il est capable de faire promotion technique. L'armée ça, c'est ça qui vient de porter. Nous devons entrer là-dedans jeudi, mais nous devons sortir ou sortir au chef. Même gens, ça fait dans tout le pays. Son institution qui est noble, son institution qui est là pour rebâiller la jeunesse haïtienne, dignité. Son institution qui est là pour rebâiller la nation haïtienne, dignité. C'est ça qui fait nous prenons une décision pour que déploiement la mer, l'épreuve fait d'une manière professionnelle. Militaire va aller sous terre pour le travail jour et nuit pour le développement du pays. Parce que l'armée, dans tout pays sur la terre, c'est pour bien-être de la société qui travaille. Et c'est même la décision que nous prenons pour nous former une armée professionnelle sur l'armée qui parle au service du développement. Une armée qui parle là pour servir le pays, pour servir le développement pays, une armée qui parle de travail, qui va arriver, construction route, construction logements sociaux, construction bâtiments publics. Son armée qui parle là pour que les catastrophes naturelles
l'armée ça va camper debout pour aider frère nous action nous dans tout pays son l'armée qui doit là pour que les bon problème on par exemple la mer quand aviation vient son l'armée service son l'armée qui pourra le marcher main dans la main avec peuple.